point qui a dominé l'actualité, le gouvernement haïtien refusait de rencontrer avec Wyclef Jean qui était porté là comme volontaire pour aider à rétablir la paix en Haïti. Atisa qui t'a dû atterrir dans le pays à mardi 9 juillet, t'as bien pour rencontrer diverses personnalités dans l'État, avec la société civile là, et même un chef gang Améo. Finalement, voyage là reporté et plus de détails à venir. Et l'autre bord, moins passé 24 heures après chef police a fin annoncé que l'hôpital général désormais sous contrôle PNH, PM Gary Conny était accompagné avec Normil Rameau et puis membre conseil là. Docteur Gérald Gilles qui est débarqué dans l'hôpital Sila et par la suite dans le bureau ONI qui sous la lueur dans le cadre de préparation élection. N'a pas une fois pirouette dans l'autre Borzilea côté suite à la fusillade qui coûtait la vie. 4 moun parmi deux compatriotes haïtiens, chef police Dominique Kenlan, révoqué directeur police régional La Bega. Et l'autre bord, gouvernement dominicain cassé maintenant bol gouvernement haïtien qui t'a utilisé réseaux sociaux pour attirer attention concernant abus à crime qu'a fait sous citoyens haïtiens sous territoire dominicain. Ces détails ça à clôt un con pour aller venir à Kiobo, mais bien avant ça qui t'en encourage chaque grand nous qui a regardé émission ça pour nous abonner parce que c'est vraiment important pour capable aider une grande famille ça. Parce que nous besoin river 1 million abonnés. Nous sur route pour atteindre 700 000 abonnés. Sans ou même, ça pas possible. Ou même qui, États-Unis, Canada, la France, Bahamas, République Dominicaine, Haïti, Turquen Caicos, Moun Chilimio, Brésil et un peu l'autre côté encore. Donc, moi saluer nous. On continue grandir famille ça parce que c'est vraiment important. Pour nous capables de prendre plaque en or là, qui est possible après 1 million abonnés. Nous, c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou. Jean-Louis. Bouy chargé pas campé dans Britain détaillé, gouvernement dominicain, fin que vous j'étais bien loin, ça l'est qualifié comme une accusation que le gouvernement haïtien, à travers le ministre des Affaires étrangères, là, ait fait. Et concernant citoyens haïtiens qui vivent en bas et traitement inhumain sur le territoire dominicain. À travers publication que vous faites sur compte Exio, ministère des Affaires étrangères dominicain et fait connaître que l'y réaffirmer engagement pour respecter droit et dignité tout le monde. Ministère fait connaître que yo pas besoin observer autorité dominicaine yo ou encore attirer attention yo sous action que y a posé yo parce que déjà connaît y a fonctionné Jean la loi mandé ça yo fait connaître tout délit ou encore tout acte qui fait qui pas cadré avec la loi a pini. Ministre des Affaires étrangères dominicain aller plus loin pour corriger carré ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti a pour dire que yo regrette que ces réseaux sociaux qui utilisaient comme moyen pour parler genre de parole ça au lieu de moyens diplomatiques. Gouvernement haïtien qui fait installer tadoué travail ensemble avec la République dominicaine qui montrait volonté pour coopérer avec Haïti pour la paix rétablie. Donc c'est ça que yo dit. Donc apparemment semblait c'est sous réseaux sociaux ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti a fait intervention liant côté au dénoncé Zak haïtien et Absibio yo semblait te ignorer moyens diplomatiques yo en tout cas et causé en puis lui donc gouvernement dominicain qui fait qu'on accueille au regrette que c'est sous réseaux sociaux genre de bail ça va parler au lieu de moyens diplomatiques qui t'a dû utiliser normalement genre ça t'a dû formellement pour discuter yon tel est causé. En tout cas, nous capable remarquer République dominicaine à chaque fois yo prend quelle que soit position yo prend, yo toujours campé de elle pour défendre li. Nous tout connaît bien que gan pile haïtien k'ap subi mauvais traitement en République dominicaine, traitement inhumain. Nous tout connaît ça à part en secret, mais Jean Bagayo sorti là, Jean représenté là, c'est comme si gouvernement haïtien au lieu t'a utilisé moyen diplomatique pour le faire ça. Formellement, c'est sous réseaux sociaux qu'ils les juste font tweet. Par contre, si c'est pour attirer et l'opinion publique, etc., ils ont pas utilisé canal, ils ont dû faire et pour parler ensemble avec Dominique de façon formelle pour dire bon, pas fait ça, pas fait ça. Donc, à part Dominique, ils ont fait tirer proche tout
Et comme quoi, malgré la mauvaise situation, nous montrer volonté pour nous camper avec vous. Et puis c'est comme ça, on réagit. En tout cas, donc, causé en pile, et faut que nous disions, Dominique a accéléré les déportations haïtiennes. Toujours pour qu'on gagne visa et officiellement pour vendre avec haïtien, mais ça que n'a attiré et haïtien qui a vivent en République Dominicaine yo. Et contrairement à Jean Satéi avant, processus résidence vient plus facile parce que avant il était demandé fort gagne visa résidence qui c'est extrêmement difficile, mais qu'on y a là avec visa que on était habitué by haïtien. Par contre si un changement cap fait, s'il y a toujours by haïtien visa NMEA qui c'est négocié multiple, parce que visa ça c'est pas un visa touriste, l'été. Visa était toujours bay haïtien, son visa business l'été. Mais était toujours bay haïtien comme son bail qui t'a fait en gagote. Ben qu'on y a là dans nouveau règlement immigration, il fait qu'on est depuis au monde gain visa ça, NMEA ou gain compte banque etc. ou gain moyen qu'a prouver que on sait des détails, faut m'ta regarder pour moi. Mais ça moi sûr c'est que avec visa NMEA et donc immigration dominicaine bay possibilité pour monde et capable et déposer pour document pour gain résidence temporaire dans le pays. Donc ça qui vraiment vient faciliter les choses contrairement à Jean Satéi et avant. OK? Gayon et l'autre dossier qui vraiment important pendant que tu as parlé de question et traitement inhumain que et ministre des Affaires étrangères haïtien dénoncé que haïtien a subi ça qui sont réalité gain les et formules que autorité haïtien a utilisé pour dénoncer et ça qui passe à et paraît moins élégant. Donc il était plus élégant que ça si était utilisé de moyens formels pour faire au lieu de réseaux sociaux, parce que qui on nous voulait ou pas, et il important pour quel que soit gouvernement qui monte pencher sur dossier ça, parce que ça ici a subi là et pas bagaille jouette. Non, police dominicain a passé loin haïtien seulement depuis le même dominicain pareil. Ouais, depuis le semblant haïtien au campé lui. Yo mande le ticket pièce. Ou konn pou ki sa? Parce que si son haïtien li pa gen pièce sou li, kòb jounen a asire. Ou gon 10,000 peso pa pou ou ki évalué à presque $200 américain. Ou gen n'importe 13,000 peso ki de plus que $200 américain pa pou ou. Ça veut dire quel que soit moyen, même $100 américain te gen nan moun, ou obligé bay li pou yo bon chance pou aller. Et l'au final ya, ça va vle tout ka rive la ka, ou ka rive pi devant. Bon l'autre backup qui campo et nèg yo gon jan yo kon fè si yo n campo devant là yo gen ta communiquer avec l'autre qui pi devant yo fè campo parce que yo gen kòb nan mon. Et son j'aime d'ab di nou ça m t'ap gade un documentaire qui fait par rapport avec ice trafic haïtien k'ap fait sous frontière dominicain. En pile gros chef dominicain relé haïtien l'or noir, ça veut dire par rapport avec trafic haïtien yo, l'argent que a ramassé dans mes haïtien k'ap ba kòb parce que yo pas et yo pas et rentré illégal dans pays ya, yo relé ça l'or noir parce qu'il y a qui construit gros building yo qui fait gros cap bien passé sous dos haïtien. Mais l'or noir là li déplacé qui était route l'or rentré parce que presque haïtien pas rentré parce que pas vendre visa, mais li sous territoire dominicain quel que soit côté yo passé yo gen droit beauté haïtien là là ou rive dans quartel là dans poste police ça yo tout négocier avant au voir dans quartier général pour pas déporter. Sou pa gon goud nan mon y ap déporté. Gan pile haïtien ont tande y ap déporté c'est parce que yo pa gen kòb nan men yo ki fè ou déporté yo. Dans son corruption total capital, alors que le wè autorité dominicain yo apaisé yo toujours ap montre que c'est haïtien. Mais mwen ta souhaité que yo manyen dossier sa tout, yo manyen et nan cause ya, parce que pi gros route chemin haïtien k'ap rentré illégal nan pays c'est dominicain même qui ouvre chemin pour yo faire l'argent, parce que l'on rentré sous territoire yo fait cob là pas dans sous territoire yo font l'autre cob encore, et le aucun beau yo ta déporté son l'autre l'argent encore, et même là yo ta déporté ou aller ou besoin retourner encore pas même yo même encore son l'autre l'argent yo relé nous l'or noir. En tout cas et cause yo en pile dans la république j'en te dit liya, et concernant et fusillade qui t'est faite récemment côté gagne 4 moun qui t'est perdu la vie, ça t'est passé dans la Béga, 4 citoyens qui t'est perdu la vie parmi eux 2 haïtiens. Jusqu'à présent gagne enquête cap mené pour qu'on ait cause axi là. Mais chef police dominicain révoqué directeur régional la police et police la Béga, il révoqué et Olibense Minaya, j'étais dans pour ça depuis 5 mars 2024 là, 5 mars avril mai juin
et j'y ai là à peine 4 mois monsieur gagnant pour ça et ben à cause fusillade ça a fait qui coûtait la vie 4 mois là ben chef police a révoqué monsieur parce qu'il estimait que monsieur pas fait travail s'il était fait travail et on fusillade comme ça pas fait non et zone que l'a li appelé pour mettre l'ordre là donc il a révoqué monsieur OK parce que la caille pas nous en Haïti et il a tué policiers yo boulé commissariat en pile dégâts fait y a massacré moun en pile dégâts a fait région métropolitaine nous gagnons une série de policiers qui est chef police qui fait 2 ans qui fait 3 ans là sans barré dit yo retiré yo et c'est seul Haïti m'a l'impression d'après Jean de Baye ça par exemple ancien chef police Fransel Beck saute passé là combien de dégâts qui fait sous tout ça. Finalement, qui leur évoque là pour voir les policiers qui mourent. Policiers mourent, cadavres, même famille, bagages. Le chef de police qui était là. Même chef de police, ça, la marché dans le dos, on serait des gros autorités. Ouais, côté Cap Ferbeya, 4 personnes mourent dans le fusillade, ils ont évoqué chef de police. Chef de police régional là. Donc, c'est monsieur qui était responsable et police et la Vega. Ils ont évoqué monsieur. Parlant de Haïti, Megastar haïtienne là, Wyclef Jean, qui te gagne pour l'entrée en Haïti mardi 9 juillet 2024 là, finalement, pas rentré dans le pays à cause des accords qui gagnent concernant Agenda Li. Et selon information que GPPC partage, Wyclef Jean t'a rentré en Haïti pour la paix. Et il te gagne pour le rencontrer d'abord PM Gary Conny. Et ça que PM Lan t'a accepté, mais ça qui t'a pas la poser problème, c'est parce que PM Lan t'a pas la vine au courant indirectement à travers l'autre source que après le fin accueilli Wyclef Jean a été ça après pour rencontrer divers autres membres dans la société civile là, mais tout chef gang yo. Dans ce sens ça, PM Lan fait qu'on est li pas normal pour Wyclef fin rencontrer et puis après pour la rencontrer chef gang yo, ça pas marché puisque PM Lan pas accepté rencontrer à Wyclef pour raison et nous sommes cité là selon ça que GPPC rapporté à ça qui estimait que li important pour le rencontrer membre gouvernement de toute façon à travers proche lio te contacté président conseil présidentiel là Edgar Leblanc fils qui lui même tout pas gain problème pour recevoir Wyclef Jean officiellement mais cependant à cause Wyclef a gain pour rencontrer Gangio ça pas possible et surtout dans contexte nous là côté bandit déjà a demandé dialogue et en pile moun pral mal wè rencontre ça yo pral dit que c'est gouvernement qui voulait Wyclef à négocier à Gangio dans sens ça international haïtien qui t'est doué rentrer d'abord et à bord yon jet privé dans pays mardi 19 juillet 2024 là t'es obligé reporter date voyage là et cette fois-ci Wyclef est pral plus concentré sur organisation yon conseil pour la paix et la bien pour rencontrer victime Zak Briganday Bandio et dans quartier populaire ainsi que policier yo. Donc plus de détails en attendant Wyclef Jean qui t'a intervenu sur Radio Scoop FM. Oui, well, encore m'a dit merci. La fin m'tare mais commencer par dire c'est que dialogue lancé pour tout Haïti net. Vous comprenez? C'est pour tout Haïti. N'attendez? Oui, n'attendez, n'attendez. Oui, qui veut dire que moi comprendre exactement qu'on a commencé à comprendre plus Jean pays non fonctionné. Mais numéro un bail pour nous comprendre c'est que moi même visite là mais m'a still faire deux ou trois différentes visites après ça pour m'entrer. Mais faut que nous très prudents comprendre bien maman me toujours dit que même mon ange qui gain zèle qui gagne puissance li connaît pour pas entrer dans jife parce que mission moi son mission que me croire li commence avec dialogue parce que même les gagne guerre dans l'histoire dans n'importe situation depuis pour guerre à camper faut c'est dialogue là avancer devant ce ça me le connaît non en tant qui très critical payant. L'infini, premier bagage que m'a dit, c'est que victime yo, m'dap rentré victime yo, qui est très important. L'idée très important pour moi, m'a dit que m'pa ka entrer
pour me pas ouais gouvernement. Il était très important pour me pas entrer pour me pas ouais men of arms. Il était très important pour me entrer pour me visiter Jérémy pour Marc Pestel. Pour moi tout le monde net parce que moi aime en terme de Wyclef. Là que nous te ouais te gain drapeau ça me te mettel dans Grammys là et pas pour moi moi te mettel pour pays parce que moi mettel pays avant tout bagarre. Kounyen pendant que n'a pas avancé devant ça qui est plus important pour moi c'est génération jeunesse que nous gagnons dans futur. Nous voulons population comprendre que dans situation ça nous gagnons Joe Biden côté que nous est en pile haïtien aller dans programme Biden là en pile haïtien qui ta Haïti yo pour aller même moi-même non changer papa maman m'y retire me croix des bouquets yo mettez moi aux États-Unis après ça m'a décidé que m'a retourner en Haïti mais connait c'est pas tout le monde cap ca briver dans programme Biden non so, ça veut dire que comment que nous ca kembe jeune yo en Haïti gens pour nous kembe jeune yo en Haïti c'est que faut que nous produisions résultat. OK, pour nous qu'à produire résultat, faut que nous garder quartier populaire. Pas bien résultat en Haïti sans que nous pas commencer produire dans quartier populaire. En terme de qui ça que quartier populaire besoin pour nous avancer devant. Si que nous avons commencé à investir dans le quartier populaire en termes de l'école, en termes de l'hôpital, en termes de l'école technique. Kounyen, ça qui a passé Kounyen, nous avons commencé à gagner moins de screen. So Kounyen, là que nous avons regardé ça, nous dit Kounyen, nous prenons bac, nous dit OK, comment que nous avons commencé à jouer un résultat. Premier bagay n'a dit c'est sécurité. Sans sécurité, diaspora nous même nous pas qu'à entrer en Haïti. Parce que nous même nous c'est population qui a investi dans pays hein, nous qui a mené job dans pays hein. So, sécurité c'est numéro un bagay parce que sans sécurité pas rien. Mais comment que nous arriver sous sécurité hein? Sécurité totale. Côté que nous avons moins de monde mourir pendant que nous avons avancé devant. Pour moi, dialogue ça, est très important en total. So, moi proposer un conseil de la paix. Conseil de la paix, ça, c'est même gens que Bab Mali te fait, les Jamaïques, te gen problème pa yo. Moi, ça m'a doula. So, conseil de la paix, moi déjà gen Fujis, moi gen différents moun côté que si que nous ka continuer nous ka travail pour nous arriver un jour que nous ka arriver sous conseil de la paix ça moi pense que si que nous ka travail avec moi pour ça nous prend quelques mois n'a travail sous ça c'est très important dernier bail m'a conclu pour me dire que moi attend en formelle invitation kounya avec gouvernement haïtien parce que moi t'a remé entrer pour me chita pour me parler avec eux direct vous comprenez avec Gary Conil avec président direct vous comprenez ça Abdoulan en même temps moi gagne un autre voyage moi t'a remé faire pour que moi chita avec victime yo t'a remé parler à police yo vous comprenez là fini gagne pour me descendre en bas pour me parler parce que tout le monde qui besoin connaît qui est-ce qui Wyclef là même ça m'a fait connait c'est même bagage moi t'ai fait en 2005 me fait m'a voyé en photo pour nous tout garder dans Twitter si nous gagne une chance c'est moi-même Wyclef avec Nelson Mandela avec cousin moi Gérald Duplessis vous comprenez ça Abdoulan là fini une question moi te mandé Mandela l'aime avec Mandela me dit yo Mandela m'ba expliquer moi où c'est un nègre ou fait tout temps ça dans prison là fini ou sorti comment on avance pays en devant Mandela te dit mon bail qui très important. Pour avancer un pays devant, faut qu'on gagne investissement pour la jeunesse. Ou pas gagner un pays sans ou pas gagner la jeunesse. So pour moi, c'est focus ça pendant n'a pas avancer devant. So merci, le fini me compte m'a salué population encore. Le fini me look forward pour travailler avec nous tous.
Merci à Pierre Louis Clef. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le Sénat, vous avez un mot à Pierre Clef. Merci à Pierre Louis Clef. Et je pense, moi-même, avec toute commission, hein, nous vous merci. Et on va compter sur nous. On va avoir le bon support nous pour question et planification. On va compter sur moi. On va faire conseil pour la paix. Et laisser un message. On va travailler avec nous pour nous border trois documents. Et puis pour nous montrer qui gentil moun yo qui dans la rue qui est en pile qui vient réduit mais côté aller nous pour connaître et nous penser meilleur et message wa et en pile moun attendre et en pile moun da remé comprendre plus penser aider ti moun yo et pêcher ti moun yo à lan ça la important en pile. Merci beaucoup et n'a prétend nous et GPPC a partagé numéro de téléphone en Bali et Baou et puis nous mêmes pour nous rester en communication pour nous planifier l'or vini pour nous faire chita officiel aussi pour nous expliquer aux des trois bagages qui passaient dans le pays là et ben c'est irresponsable en pile dans le gouvernement qui saute passé qui mettait nous là. Merci beaucoup Wyclef. Ok, merci encore. Respect avec nous. Respect pour vous tous. L'autre bord, il y a Jean-Rebel Dorsena qui est membre de la commission des armements, CNDDA, qui tape by point de vue sous dossier Sila Ntadel. Volonté, c'est le plus gros. Dis-nous qui esprit Jodia n'est pas mieux. Parce que le contexte a changé. Police là, a priori, toute opération a priori échoué. Jodi a gon force qui entre. Est-ce que nan imagine nèg ki gen zam yo ki te konnen ke yo ka fè n'importe ki ba la police la, est-ce que à partir de rentrée de force ça yo réfléchi même Jean Dorsena? Gary yo gen la dan yo ki wèl plusieurs façons. Et bien ba yo m'ap di ou et Gary ki te msali wèl bref côté li. OK. Avant d'entrer dans détail dans ça et Wyclef gen courage et me félicite pour ça. Et oui, sa autorité ou dit, d'accord avec. Parce que on pas ka fin faire photo avec un président, un premier ministre et puis pour plonger pour aller pour une équipe monde qui fait société en pile mal et puis pour joindre comme ça. Cependant, on ka faire en l'autre façon. Comment? Gary, ou la gueule, ou la gueule, toi qui. Non, mais c'est une question bozo. Et je pense que gagner les pays qui étaient en difficulté tout dernièrement là. L'élite noire là. On va parler sur Ariel là? Oui, sur Ariel. Pendant Ariel était là et pendant Ariel était à l'étranger. Il y a un pile de gens qui t'a tiré. Et c'est seul artiste haïtien qui te prend courage et te font tweet, qui te mandé la paix. Il est ça. Et je crois que c'était parlé de moi, je ne pas songer, mais tu es un journaliste qui est Delva, qui te relève sur ça. Exact. Et il est ça, je te vois, il y a monde toujours. Avec vous-même, qui t'a demandé qui ça a fait, comment nous avons sorti. Bon, deux, trois autres, nous encore, mais nous n'avons pas trop. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu le courage pour faire ça. Je me félicite pour ça. Et comment nous avons fait ça? Une commission nationale qui est le désarmement, commission CNDDA. CNDDA. CNDDA, là, sont commission qui l'a pour parler avec toutes les gars, mais honnêtes. Ils même, ils sont centres. Ils représentent l'État, les sociétés et les gangs. Ils sont une commission qui est extrêmement difficile. Parce que je dois dire que je suis boulé. Je boulé beaucoup de gangs, je boulé beaucoup de population, je boulé beaucoup de l'État. Parce que il est tellement sensible, son bail est tellement fragile, ou par contre, comment pour moi, quel que soit le moyen. Mais cependant, je pense que Wyclef a utilisé la commission pour faire ça. Je suis en train de dire. Et je pense que lui-même avec la commission, nous avons fait un pile de bagaille. Est-ce qu'on autorise M. Réléo pour le balavant? Oh, Gary, son haïtien. Et même s'il pas haïtien. Son haïtien, son nèg qui a courage, qui est déplacé, qui sorti dans une zone reculée à l'époque. Quoi de bouquet pas en zone qui était reconnue, Jean-Elvin reconnu là. Son zone qui était en province, c'est pour bagaille qui était là-dedans. Mais on est sorti là. Il est arrivé dans un niveau comme ça.
son gros bagage il fait et il fait le monde a parlé des haïtiens son gloire pour nous et la positivité le fait. Je ne veux dire si nous ca dépenser 200 millions de dollars pour nous chercher étrangers venir mettre la paix là caillou nous si nous gon haïtien qui ca aider nous joindre la paix faut encourager. C'est pas là 200 millions de dollars il a cherché pour venir faire la paix lui même il prend propre moyen économique lui bon je ne sais pas par contre s'il gon leur côté mais quand même lui manifestement volonté pour venir là pour venir ban nous coup de main c'est pour toute société a supposé camper d'elle parce que la paix pas gain prix dans le monde parce que ou gain doit pas mener une opération dans village ou aller mener une opération dans n'importe zone bon exemple alors il faut qu'on balle cap un petit bébé qui était président qui était sénateur qui t'a remplacé oui parce que un jour faut l'aller on va venir faire gros sur la terre n'importe monde aller n'importe jour il dit penser et rapidement nous cachita et puis nous définissons notre plan nous définissons notre stratégie parce qu'il y a un petit monde qui est entré dans le système et violence en Haïti je pense que on voit qui va aider nous empêcher petit monde ça aller encore parce que pile là dedans gain veut aller gain pour aller même si ouais gain monde qui va mourir mais au même moment décourager à jeune monsieur armé alors maman tant de là et ou dit que FTK a procédé dans l'autre façon notamment le cas passé par CNDDR et il y a des monde qui a tendu même avec moi qui a rappelé que CNDDR c'est en commission qui mettait en place par autorité étatique est-ce que nous capable décider scoop bah on est en dehors de l'état travail avec de monde qui est même pas dans l'état oui et commission c'est pour aider l'État à implémenter politique publique dans le quartier populaire. Ils ont demandé nous faire rapport, identifier problème yo, jouer nos moyens pour jouer la paix dans le quartier. Quel que soit les gens nous jouons, depuis c'est pas violence, depuis c'est pas un compromis, depuis c'est pas un supporter, on est qui font viol, on est qui font kidnapping, on est qui fait ça. Dans quartier parce que pas oublier quartier c'est pas seul gang qui est là dedans il y a l'autre monde qui est dans quartier pas oublier moi même moi sorti solino et quand même des sorti quand même des c'est dans corridor carrément arrêté on peut imaginer là sorti dans zone quartier populaire ça fait ouais en pile fois ouais m'a parlé m'a regardé monde qui a parlé des quartiers mais ça fait mal mais moi par contre monde qui dans quartier là long quartier exemple on peut expliquer non ça là non quartier et défavorisé yo c'est là qu'a ton petit mami du crédit sous pas gain gros moyen et moun sa a ban nous là retan l'autre quartier mi monté moun k'ap la caillou moun pa konn rien k'ap passer la caillou et moun ki retan quartier populaire yo contrairement avec yon moun de k'ap passer yo yon vive ak l'autre malgré misère c'est justement m'pensé commission li ka travaille avec n'importe moun et nous travaille avec bini c'est grâce à Bini parce que l'État est là avec nous. Soit vous écrivez là. C'est autorité en place, vous n'avez pas de responsabilité, vous faites nous arriver là. C'est pas. Soit vous écrivez pays là. À 99%, c'est autorité, vous n'avez pas de responsabilité. En pile information, en pile soit vous écrivez, je ne vous dis. Les gens qui sont dans l'État, vous êtes au courant. Vous n'avez pas fait rien pour bloquer ça. Et me toujours dire et me camper derrière et me ca banou bon banou exemple me songe sous ancien gouvernement ça que ça passé me parle avec des trois monde un petit moment où elle a invité là non n'est pas invité bien c'est normal parce que dans ce n'a se parler de Wyclef donc dans cela Wyclef est attendé au littéralement font petit pas l'avoir donc moi même tout donc d'essayer à reler Wyclef moi aussi au moins si ou t'es qu'à 10 sortes de 10 de Wyclef là en direct Wyclef bonjour comment est-ce comment nous est famille et mais nous là tout petit on boule Mapsa yo toute population net ok eh bien salut tout et dans cela d'armes ou reprendre sortir dia pour Wyclef capable de dire et Wyclef salut oui
et artiste parce que nous même moi pourquoi j'aime rencontrer de face à face mais ouais dans radio et me tendre dans radio moi dans télévision et moi même moi sous dit ça là avec lycée représentant CNDDR c'est moi qui représente CNDDR là c'est moi qui en commission c'est moi qui responsable pour moi parler directement avec toutes mes armées dans tout territoire national. Je félicite vous parce que dans le moment difficile là, le pays a crasé l'époque 29 février, où tu prends fait un tweet dans un moment qui est extrêmement difficile et laisse ça nous avons subi un assaut dans le pays d'Haïti qui n'est pas facile. Et je te félicite pour ça. L'initiative que tu prends, je pense que c'est une initiative louable et une initiative que le pays a adoué. Garder ça très cher parce que dans le moment, nous avons besoin de monde qui peut te parler. Et je te félicite pour ça et je continue de féliciter. Je pense que les moyens sont capables de payer, voir et fort faire, capables de mener nous la paix réelle en Haïti. C'est pour la paix, pour la guerre, mais c'est la paix pour tout bon, pour chaque petit pays qui a levé matin. Vous avez sorti pour aller acheter de l'eau, vous avez acheté de manger pour vous manger. Quelques temps après, le directeur général de la PNH, Normile Rameau, a fini annoncer que la police reprend le contrôle de l'hôpital général. PM Gaïkoni visite l'institution Silla qui en ruine depuis plusieurs années et qui malheureusement a abandonné. Accompagné avec conseiller Dr Gérald Gilles, ça veut dire exactement ça, l'EDIA. Et puisque c'est un docteur, PM Gaïkoni a garanti une énième fois que l'État pourra reprendre le contrôle de tout territoire perdu. Il fait qu'on est désormais l'hôpital général pour retourner au service population. Il est en zone de guerre, c'est côté moun prend la soin. Il pas quitter le conseil d'ailleurs. Il a annoncé gros nettoyage qui pourra continuer fait pour remettre Pigou l'hôpital pays en service, disons Pigou l'hôpital l'État pays. Nous capables de marquer là. Nous, en dedans, l'hôpital général, là, nous sommes capables de remarquer le Premier ministre, lui-même, lui, mettait pied là à terre, ensemble avec DG et police, Normile Rameau, accompagné avec une représentant et CPTA et conseil présidentiel transition, qui c'est là, nous, au Gérald Gilles, docteur. Lui, Gérald Gilles, lui présent ensemble avec Dr Gaïkoni dans une visite dans l'hôpital général. Jean que nous avons constaté là, ce n'est pas une visite que nous, ouais, et Premier ministre lui-même, lui en dedans, chambre. Eh bien, et Premier ministre lui-même, lui mettait pied à terre. Allez. Premier ministre, présent sous l'hôpital général, veut dire ça. Ok. N'a pas parlé. En tout cas, jeune tape gardé, c'est une idée de comment ça te en bas. Nous capables, la police était quadrillée zone. Pas de gompette à te tirer, question
bandit te pété balle sinon on côté ça marqué pas de gain sa pièce pas de gain ken cartouche qui t'est tiré la police t'est occupé zone nan net pendant visite et PM Gary Conille là faut qu'on dise visite n'a pas traité là parce que PM nan t'est visité tout bureau ONI qui trouvait là sous la lion dans occasion c'est là PM nan t'est discuté avec responsable bureau ONI sur organisation prochaine élection yo plusieurs militants ak employé ministère et collectivité territoriale te profiter réagir nan moment PM lan t'a discuté ak cadre ONI yo et men ki jan sa teye. Voilà amis internautes, ma chaîne en Haïti là, n'a regardé ce PM là encore une fois qui trouvé li en bas la ville là nous exactement et devant local ministère des collectivités territoriales là que nous connaissons, yo déplacé environ chat mas là yo vinn metti sous la lui là tout près local immigration hein. Donc il faut que nous souligner pour et visite ça Pierre Blanc fait après-midi là c'est dans cadre pour faire une évaluation et prendre information dans bureau l'ONI qui déplacé yo metti dans espace ça visite ça également gain pour objectif pour les capables et chita ensemble avec les cadres dans l'ONU et sous organisation élection qui pral gen pour le fait dans le pays. Donc ça fait une énième visite que PM l'a fait dans la zone dans la ville pour journée et bien mardi 9 juillet 2024 là côté que matin nous était dans l'hôpital devant l'hôpital général et Kounia là lui-même ensemble avec équipe débarqué pour venir chita parler ensemble avec cadres dans l'ONU sous élection qui pral gain pour fête yo. A observer Jean Saï devant barrière là là et policier qui a été là qui eux même y a sécurisé espace là. C'est PM Gary Conille qui lui-même dans zone là là et n'a regardé Jean que policier prend et disposition pour qu'il capable sécuriser et périmètre là. PM Lan qui lui-même qui t'a entré. Pablié là, nous sous la lue. Exactement. Et dans le même espace ça qui lui-même logé. Service immigration. C'est dans l'espace devant côté qu'on fait. Et passeport sous la lue, hein, PM Lan. Et en dedans là, il y a un bureau. Ministère et des collectivités territoriales. Eh bien, nous connaissons PM Lan lui-même qui c'est. Et lui-même également ministre Bratila, donc PM Lan qui est entré là. Pour chef de la police là, je l'ordre et des ordres pour mettre l'ordre dans des ordres miscadés. Vous avez besoin de miscadés, chef de la police. Vous avez besoin de miscadés, petit pays allié. Dans le Port-au-Prince là. Depuis annoncé là, on est prêt pour aller recevoir miscadés non. Danser et marcher et visser. C'est pour commissaire ou bien pour chef de la police là? Pour chef de la police là. Qui est-ce qui est pour chef de la police là? Miscadés, ami Aguane. Vous m'avez dit miscadé d'avoir chef de la police là? Exactement. Donc vous m'avez mettre là-bas miscadé à faire en même? Oui, moi mettre là-bas là. Je dis à vous venir avec le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui a fait les armes, c'est lui qui cause baza pour moi. Je dis à l'après dit Gary Conille ça, moi-même qui ai 4 ans dans le ministère, 2 ans dans l'immigration, à un lettre transfert, parfois c'est directeur général là, parfois c'est responsable qui connaît des noms avec la guerre, l'empire, qui compte pas dans l'emploi. Mais je dis à nous m'avez fait nous toucher 6 mois. 6 mois nous ne pouvons pas toucher. Moi, pendant ma parole avec le personne Benjamin, nous ne pas toucher. Je dis, comme le ministre de l'Intérieur là, c'est là dans l'immigration le ministère de l'Intérieur. Je dis, premier bagage à la ministre, provisoirement au métal. Premier bagage à la demander pour que le ministère tourne la caille. Deuxième bagage à nommer tout contractuel
parce qu'on pas qu'être contre sous Ariel. C'est pour bien. Je dis, nomination, nous pas besoin de notre bagaille. Je dis, on a félicité tout directeur ça. On est pour la guerre. T'as coup cap travail, t'as coup Bill qui est bien employé, mais Green Bag à la Brésil, Daikoni, nous-mêmes, non seulement syndicat, non seulement président affaire, qui n'a ministère, malheureux, et pas bah, besoin de l'autre bagaille, que nomination de c'est lui-même, je dis à comme PM la Juna, comme nous connaissons un candidat pour PM, PM Balkwaza, PM Balkwaza homologue, mais supposé ouais homologue. J'étais ma tenue homologue, là, ma petite année devant machine. Pour me tenir homologue, pour me dire bienvenue, pour me balcarrer dans les ensembles. Un, à bas contrat. Il y en a qui ont 15 ans dans le bras. Qui pas j'aime toucher. Il y en a qui ont combien de temps. Le premier exemple, ministre, je viens de jouer. Le premier exemple, président, qui toujours capable avec nous. Parfois, on a grand coup. Nous sommes en base, qui se passe malé, malé, reste. Je dis à là, nous pas besoin de l'autre bagaille. Que nomination. Derrière Delis. Nos chances. D'ailleurs, parlez pour nous. Après, on va toucher. Parlez pour nous. Nous, on veut les prier. Nous, on veut les prier. Je dis, on a souffert. Vous imaginez, il y a 6 mois. Marie plantée. Marie. Et je dis, on veut dire, c'est Marie plantée. Si il est au bas du tout, le ministre pas là, nous pas là, mais nous même toujours travaillons. Je dis à revendication pas nous. Comme nous connaissons M. Gariponi qui c'est PMPI, pour espoir PMPI, comme ministre intérieur, il y a des bagages, il n'y a pas fini de connaître. Je dis à nous même qui sommes là, il y a de la balle mauvais message, il y a de la pour nous mettre contre lui, qui vient pas parler well. Là nous pas pleurer là n'a pas parce que depuis même dans réseau il pas le courir des réseaux volés nous même n'a courir d'elle comme il dit nous la retirer tout oui pour mettre fait neuf nous t'a souhaité faire ça en intérieur comme on peut imaginer une équipe employée qui a abandonné une équipe partie pour que 400 premières nominations en nombre pour nous même moi même pour être comme que passer 15 ans dans là m'a signé contrat on pas petit cadre débit on pas rien les capables jusqu'à bon la caillou Gets quatre de bia. Les capables de la caillou. L'eau. Moi-même, je dis à M. Gariponi connaît. S'il parle de nous frapper pieds nous à terre, quel premier ministre de l'Intérieur en charge? Parce que le ministère de l'Intérieur, son cancer lié pour lui, c'est par contre Samuel Fondel. Je dis à la moi, bien content, c'est lui qui prend tête ministère de l'Intérieur, lui qui est bel comme AI toujours. Même tu as souhaité, lui passer mes sérieux dans l'intérieur. Ça n'est pas ça. Si on ne va pas nous compter le ministère de l'Intérieur, côté un nouveau local, nous avons devant l'immigration là chaque jour. Si on veut tirer nous, on tire nous. Si on veut marrer nous, on marrer nous. Parce que nous ne sommes pas capables encore, l'oxygène nous finit. Dans 400 premières nominations, ça va être la grande dans l'an. Il faut que l'on pour nous côté. Pour nous-mêmes qui sommes contre nous, pour nous galoper, capable de faire ça. Merci, merci. Je veux que nous suivions les amis internautes, machin de Haïti. C'est
CPM d'Ariconi qui a quitté périmètre là. Là, nous sous la lune. Eh bien, Jean que nous t'ai souligné pour vous. Information lui-même, c'est que PM Gariconi, lui-même, il vient de chita ensemble avec cadre dans l'ONU que nous connaissons qui gère question pièce, identification. Eh bien, et PM lui-même, il vient de chita ensemble avec cadre dans l'ONU sous organisation et bien prochaine élection qui parle pour faire dans le pays. Jean que nous t'ai souligné pour vous, matin, PM l'a été accompagné de docteur et Gérald Gilles, également de ministre et santé publique là, avec eh bien et directeur général police nationale là et Normil Rameau. Ils ont été rendus sous place dans l'hôpital général pour yo t'al faire yon et bien visite pour yo t'ai dans qui dimension et bien l'urgence pour que yo capable et bien réagir pressé. Chacune t'a suivi là, c'est PM là qui lui-même t'est venu chita ensemble avec Kadio dans l'ONU côté que yo t'ai échangé sous et urgence qui gagne pour que vous capable réagir pour prochaine élection qui va gagner pour faire. Alors bon suite à ka frappe ça que commissaire Muscadet te bay Pierre Espérance qui t'a mandé révocation li, et Pierre Espérance qui font dernier sorti là li confirmé effectivement et li t'a mandé pour que depuis sous madame Emily pour faire Jean Tété ou lia donc li t'a écrit justice Emily Prophète concernant et Zach qui pas cadré à la loi que commissaire Muscadet t'a fait ah ben comme nouveau et ministre justice enfin crevé là li renouvelé et demande ça bon côté ministre justice pour capable faire suivi pour joindre révocation commissaire Muscadet et t'a bail détail sur ça en a regardé étendé il dit en pile causé contre commissaire ça qui vraiment a fait parler dans la République parce que un pile monde vraiment fâché contre demande ça que Pierre Espérance fait. Et m'a profité d'une auto. Muscadet a mangé l'argent gang. L'a mangé l'argent bandit. L'a mangé l'argent monde qui dans kidnapping. M'a pour exemple avec monsieur. Ou gagner s'il a pris chef gang Grand Ravine qui sorti dans fond des nègres. Il sorti dans une commune qui est dans une section rurale de Rébaron. Fond des nègres, il y a une juridiction. Muscadet, il se compte Muscadet. En dans marché fond des nègres là, et il a pris des plusieurs business. Il a pris un pile de terre dans la zone là, et Muscadet connaît qui notait, qui est-ce qui notait, et il a pris. Et businessman yo nan juridiction Muscadet et particulièrement dans fond des nègres yo bay Muscadet comme tout temps donc ça ka fait business pour il a pris. Est-ce que nous jambes tande Muscadet bon aller et poursuivre et engager aucune poursuite contre et moun qui gagne l'argent kidnapping nan mais yo qui a fait business pour Tilapri? Non. Je ne vais pas parler de maman Tilapri parce que responsabilité personnelle. Tilapri fait caille pour maman dans la zone. Non, il va aller arrêter maman dans la place. Et Muscadet a mangé l'argent kidnapping. Il a mangé l'argent gang. Et le monde qui mettait Muscadet côté de l'Ira, pour nous, c'est Hervé Foucan, yo trafiquant drogue. Pas de monde qui vient dire que comme si Muscadet c'est la loi, la pas appliquer. Il doit appliquer la loi. Et je dis nous, pour nous-mêmes dans le RNDDH. Nous-mêmes dans le RNDDH, gang, bandit, ça y fait dans le pays, c'est terroriste qui est et c'est zéro tolérance pour vous. Mais vous n'êtes pas capable de neutraliser les gens comme vous acteur dans la chaîne pénale. Et puis, on va l'exécuter. Qu'on y est là? Nous dit, gagne, c'est prison ou bien cimetière. Yo tué trois policiers, je ne vous dis pas le oui, si vous parlez de Zamio. Parce que si vous parlez trop de con avec la police, il y a mouru. Et il y a bien mouru. Place, c'est cimetière ou prison.
Mais nous-mêmes, nous ne pas tolérer aucun acteur en chaîne pénale là, en fait démagogie, soi-disant qu'il y a bataille contre l'insécurité de façon sélective, et puis à exécuter le monde, et dans le monde, en pile là-dedans, c'est innocent. Et c'est la police de battre nos zones. À partir de l'enseignement qu'il y a eu, il fait filature. Il est arrivé dans le Kaisa. Il y a un bandit. Il y a un zam. Bandit dans le procès qu'on a avec eux. Et puis, il y a des gens qui participent à retrouver dans l'espace à Bouy. C'est ça, nous, les dommages collatéraux. Fin novembre, décembre 2023, il y a eu une grosse discussion, un débat qui a fait sur les réseaux sociaux une attaque entre deux commissaires gouvernement. C'est le commissaire gouvernement Okaila, qui c'est Richemont, et puis avec Miskade. Et ça a été fait suite à un débarquement. Miskade était fait dans le Posali qui n'a pas juridiction pale. Et Richemont était fâché et Richemont dit que c'est un droit que Miskade a pris pour patron. Et nous connaissons les gens qui mettent Miskade côté lié à et c'est Hervé Foucan. Ouais, c'est Hervé Foucan qui fait le commissaire gouvernement sous et Jovenel Moïse. Et puis, le, toute attaque ça, je n'ai pas quitté l'autre sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça. Et le ministre de justice à l'époque là, qui c'est Emily Prophète, lui voyait une lettre de blâme par tous les commissaires gouvernement. Et puis, nous profiter de l'occasion ça, nous en décembre 2023, nous écrit le ministre de justice, Emily. Au fait, pour nous attirer l'attention sur plusieurs cas d'exécution Miskade fait. Et là-dedans, il y a plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec la question de gang qu'elle exécute. Et nous demander de révoquer. Là, nous en décembre 2023. Nous n'avons jamais nous acquisé réception sous l'aide là. Et comme et Carlos Ekil vient monter ministre de justice, premier acte qu'il posait, il mettait le commissaire gouvernement Okaila mis en disponibilité. Normalement, les gens qui ont pouvoir de nomination dans le pour la justice, c'est le commissaire gouvernement, mais il faut qu'il soit approuvé par le premier ministre. Ça veut dire. Même l'aide de Blamna était douée, approuvée par le premier ministre Gary Conné. Donc ça montre autour qui Jean Mounio, par contre, qui s'est fait dans l'État. Mais comme nous, et c'est vrai, Richemont n'a pas qu'un bagaille reproché pour implication dans la violation de droit monde, il y a plus de bagaille qui est reproché pour Miskade. Même l'aide ça, que nous avons depuis décembre 2023, ministre de justice là, Emily Prophète, et nous faisons lettre de couverture. Alors elle me dit lettre qui est tout caillou, qui est documenté. Et nous faisons lettre de couverture, nous voyons par Carlos pour nous dire que mais on lettre que nous t'envoyons dans le mois de décembre 2023 par Emily Prophète. Ce n'est pas une nouvelle demande, ce n'est pas une nouvelle lettre. Et c'est même l'état. Et même débat ouais, qui fait jeudi en que équipe HTK, yon nan moun qui équipe dans l'assassinat et dans massacre la Saline, qui était directeur général du ministère intérieur, il est très puissant, très présent dans le pouvoir, qui les jeunes l'argent de l'État, c'est lui-même qui réunit plusieurs marchands de micro, analyser maman yo ça gagne antenne gang yo avec qui petit téléphone yo en mayo et puis yo même yo y a mené une campagne de dénigrement contre et RNDDH particulièrement contre et moi-même. OK, maintenant et si n'a regardé dans question insécurité hein, et puis si n'a parlé des acteurs dans chaîne pénale là gagne 18 juridictions en pays là au niveau justice là.
18 juillet. Et nous capables de dire jeudi et côté qui des problèmes dans la question de sécurité, ce n'est pas dans tout 18 juillet. C'est l'Ouest avec un parti dans la Tibonie. Sud, ce n'est pas Sam Miskade qui a fait qui fait que Sud gagne sécurité, ni Grandance, ni Nord, ni en plus notre département Nord-Ouest, Nord-Est, Plateau Central, etc. Miskade comme commissaire gouvernement, ils sont acteurs dans la chaîne pénale. Ils sont capables de combattre l'insécurité. Non, zéro tolérance pour gang, ça ne pas faire ça. Non, il dit, il prend la loi comme boussole. Ça veut dire qui ça? Il est capable de mettre une tasse, force, campé, qui gagne là-dedans. Il même comme commissaire gouvernement, nous disons pas qu'il y a, tout le monde n'a pas qu'il y a, commissaire, et lui même, et l'autre, c'est qui est capable de gagner juge de paix, juge, et puis la police. Et comme ça, il y a barré la route. Avec Gario, dans service et renseignement qui vient, et les bandits, c'est zéro tolérance pour lui. Zéro tolérance. Hein? Et un, si les bandits ont été connus avec la force publique, ils tombent, ok, ils mourent. Mais si on ne peut pas maîtriser, ou contrôler, ou neutraliser, et vous faites interview avec lui, et puis après ça, vous dites, ce n'est pas mon dernier mot, ou à lui. Et puis comme commissaire gouvernement réalise un bon outil. Ouais, mais ça, on aime le dire. Maintenant, mon qui a fait propagande, et alors mon qui a fait attaque, même nous pas paix, nous pas bien paix. C'est détail ça que nous t'ai porté pour déjà, n'a dit tout le monde. Bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre émission.